Quels sont ceux qui sont là-bas? Dans ta société là, il y a qui dedans, qui dedans? Société de sorcellerie, il y a qui dedans? Il y a combien? 5. Hein? 5. Donne-moi le nom des gens. Tu travailles les gens, non? Hein? La gole du coup, ah oui. Ah, six. Donne-moi le nom des gens. Il est où? Il est à Zébo. Mmh. Et puis qui Paul Quadio. Qui ça? Paul Quadio. Paul Quadio. Mmh. Il est où? Il est à Zébo. Hein? La même village. Même village. Mmh. À Zébo. Mmh. Oui, troisième personne. Troisième personne. André. André. Mmh. André quoi? André. André Abani. Hein? Abani. Quatrième personne. On dit ça, Estache. Un quoi ça? Estache. Est quoi? Estache. 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 Bien non. Cinquième personne. Cinquième. Et la femme là, c'est qui? Ta soeur là. Et puis l'autre. Abéron. C'est qui? Abéron. C'est qui? La soeur de André. C'est elle qui fait ça. Et puis plus toi. Toi tu es quoi là-bas? C'est le chef. Tu es malade ou bien? Je me dis 843 personnes. C'est pas ça? C'est pas toi qui envoie, c'est pas toi qui envoie, c'est pas toi qui tue les gens. Tu te demandes, monsieur. C'est pas toi. Comment on te force pour parler? Tu n'es pas sorcier, tu es sorcier. Hein? Mais pourquoi on te force? C'est forcé. Ils sont des forcés. Ils sont des forcés. Ils sont des forcés. Non. Tu veux délivrer la sorcellerie? Tu veux laisser? Tu veux laisser? Voilà. Maintenant, tu fais quoi? À part le fusil, à part la poudre que tu prends pour changer, tu as quel pouvoir encore? Il n'y a pas de pouvoir là. Hein? Il n'y a pas de pouvoir là. À part de ça, j'ai dit que. Tu ne prends pas crachat là pour empoisonner les gens? Pour empoisonner les gens? Tu ne fais pas ça? Ah, ça, c'est crachat. Mais tu attends toi, ça n'empoisonne pas. Quand tu viens empoisonner là, tu ne craches pas dans le repas des gens. Tu vois ce que tu fais? Je te demande, monsieur. Mais réponds oui ou bien? Oui. Si c'est non, tu dis non. Oui. Hein? Oui. C'est oui, non? Oui. Oui, c'est non. Oui. C'est oui. Oui. Pourquoi tu dis pas ça? Pourquoi tu dis pas ça? J'ai un bon nom. Hein? C'est que. C'est les gens oubliés. Pourquoi tu as oublié ça? Tu fais pas ça, puis tu dis que tu as oublié. Maintenant, qu'est-ce que tu veux? Il n'y a pas de délai de bonjour. Je suis là. Quelle chose? Le mauvais esprit là. Il est où ce mauvais esprit? Il a échangé dans le temps. Il est dans la tête. Donc, on a coupé la tête à vous. Il est où, mauvais esprit? Il est où? Il a porté de moi toujours. Il a porté de toi. Pour les chasser. C'est ça que tu fais, et puis il a fait le. Tu fais quoi? C'est ça que je fais, et puis je fais mieux. Pourquoi? Donc toi tu l'écoutes, quand il te parle, tu écoutes. Il me pousse comme ça. Il te pousse. Ouais. Tu dis pas non. Non. Après ça, je vais le faire. Il faut viser le visage. Laisse tes glaces que tu es en train de faire. Tu dis quoi? Tu fais quoi? Ça me pousse que ça me pousse que je vais pas faire ma. Pourquoi tu dis pas non? Quand lui te pousse, va tuer. Pourquoi toi tu dis pas non? Quand il me fait ça, je ne sais pas que. On dit non. Oui. Tu dis quoi? Quand il me pousse comme ça, là, mon père même, il n'a pas en face. Hein? Mon père même, il n'a pas en face. Quand il te dit fais, tu tues. Oui. C'est ça? Oui. Ça veut dire que ton cœur n'est pas en place. Hein? À cause de ça, quand il m'a dit comme ça, là, mon cœur, ça.
Ça joue comme ça. Après, il dit, il faut tuer l'enfant. Mmh. Maintenant, ton cœur bouge, bouge. Mmh. Et tu le vois comme cabri, tu veux le manger. Mmh. La nuit, tu l'attrapes, tu fais ta sauce. Mmh. Après, là, tu aimes quelle sauce? Hein? Tu aimes quelle sauce? La sauce que je l'aime. Là-bas. Ta ferie. Comment? Réponds ma question. Tu aimes quelle sauce là-bas? La sauce. Tétra. Je suis fatigué. Toi, tu ne prends pas ta retraite. Quand tu es fatigué, on se comprend retraite. Tu es fatigué. Tu fais quoi? Pour laisser ses rues. Tu es fatigué. Puis tu n'as pas marché pour venir voir le prophète Crasso. Est-ce que tu pensais que tu allais arriver ici? Ils t'ont blagué, non? Ils ont dit quoi? Ça devait rien dire. Non, il a rien dit. Tu vas aller à l'hôpital? Non, à Dibo. À Abidjan. Mais quand on arrive ici, c'est là. On m'a blagué. On t'a blagué? Tu veux quoi? Ils t'ont blagué? On sait qu'il est voyou. Les gens savent que c'est un voyou. Si tu lui dis, viens chez le prophète Crasso, il ne va jamais venir. C'est un délinquant. Ils t'ont blagué, ils t'ont dit quoi? Ils t'ont dit quoi? Ils m'ont dit que... Alors... Tu attendais parler de moi, non? Oui. À ce goût, là-bas, on parle de moi, non? Oui, on n'a pas parlé de moi. Non, tu n'as jamais attendu ça. J'ai attendu ça. On dit, j'ai fait quoi? Tu guéris. Quoi? Que moi, je vous combat. Je suis votre totem, c'est pas ça? Moi, là, je suis votre totem. C'est pas ça? Que je vous moyen au nom de Jésus, c'est pas ça? Mais pourquoi tu n'es pas venu pour qu'on t'enlève ça? Toi-même, tu sais que tu es malade, ça te fatigue. Tu es fatigué. La nuit, on dort. Toi, tu travailles. Tu fais travail de nuit, tu fais travail de jour. Et toi, tu sais ça. On dit un monsieur depuis Zaroko, Divo, qui enlève cette maladie-là. Et tu, depuis là, tu es là-bas. On n'a pas dit que il a déjà, mais on dit qu'il n'a pas vu encore. Non. Non, j'ai dit, tu as Zego là-bas, là. Tu as appris qu'un monsieur comme moi a une sorcellerie. Pourquoi tu vas venir? Tu avais peur. Tu as peur. Tu ne voulais pas laisser sorcellerie. Après, je suis venu. Non, on t'a envoyé, tu dis, on t'a blagué. Non, pourquoi moi j'ai dit qu'on m'a blagué? On m'a dit que. On va habiter. Pour faire quoi? Oui, maintenant on t'envoie ici, tu n'es pas content. Pourquoi? C'est maintenant que je suis content. Maintenant, sinon avant, tu n'es pas content. Maintenant, j'ai voulu te faire en place de moi. Comme c'était un bagage. Moi, là, mais je fais quoi? C'était un bagage. Je fais quoi? Ah, il a mangé aujourd'hui. Ah, il dit qu'il est content parce que son fils ne mangeait pas, c'est ça? Il a pu manger? C'est ça? Non, il dit qu'il n'a pas encore vomi. Sinon, il a l'habitude de vomir. Mais il a mangé aujourd'hui, il n'a pas rendu. Faites-le venir. Ah, je comprends maintenant, il dit, il sent que le fils est délivré, parce que c'est la première fois où il mange, il ne rend pas. Or, il n'arrivait pas à manger. Donc, quand on a versé l'huile sur lui matin, le micro, on a versé l'huile sur lui matin, il a commencé à manger, c'est ça? Tu fais que tu es content. Donc, nos prières là, c'est fort, hein? Ça va? Tu as pu manger? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Acclamez Jésus. Acclamez Jésus. Hé, hé, hé. Tu as la Non. La télé.
Tu ne mangeais pas, ça faisait combien de jours? Pratiquement 4 mois. 4 mois. 4 mois. Quand tu manges, tu rends. Aujourd'hui, tu as fait une expérience. Depuis que tu es venu sur Dieu et prier sur toi, j'ai versé l'huile. Qu'est-ce qui s'est passé? On acclame Jésus.
va détruire la vie d'un être humain. Le cœur que Dieu m'a donné là, c'est pour vous attaquer. C'est pour ça que Dieu, je suis comme un cadeau. Dieu m'a fabriqué à cause de vous. Si moi j'avais un mauvais cœur comme toi là, de toute façon tu as chié ici là, j'allais t'envoyer la mort cadeau. Mais tu viens chez moi, tu chies. Tu as voulu te tuer en sorcellerie, c'est pas ça? Tu as chié devant la porte, tu chies en sorcellerie. Tu voulais me tuer. Mais moi, je vais t'attaquer parce que je veux que tu sois aussi délivré. Tu as vu que ce matin, je suis venu, matin très tôt, pour régler le problème de ton fils. Ils me connaissent, je ne me déplace pas comme ça très tôt. J'ai prié, je suis venu. Parce que je savais que Dieu allait faire quelque chose dans sa vie. T'as compris? Tu as vu que le travail des sorciers, c'est pas bon? Hein? C'est fort.
pas, c'est mauvais ou c'est fort? Hein? C'est mauvais ou c'est fort? C'est mauvais. C'est fort. Non, faut pas laisser le côté fort. Prenons le côté, c'est mauvais. C'est mauvais. C'est mauvais. T'as vu? Tu as fait jusqu'à aujourd'hui. Dieu t'a exposé devant tout le monde. Comme tu as fait jusqu'à tu as fait manger 843 personnes. T'as compris? Tu as tué les gens. Mais aujourd'hui, Dieu te pardonne. Nous croyons à la sorcellerie. Nous savons que ça existe. Notre boulot, notre travail, c'est de vous combattre. Toi, tu dois laisser la sorcellerie. Si tu n'as pas laissé la sorcellerie, c'est toi qui vas mourir. Tu as compris? Hein? Tu ne parles pas bien. Si tu ne laisses pas sorcellerie, c'est toi qui vas mourir. J'ai tout fait. Demain, on va prier pour toi. On va demander à l'esprit de la sorcellerie de t'éviter. Mais si tu as essayé, comme tu aimes manger viande de l'homme, j'aime cabri. J'aime manger cabri. Si tu as essayé de manger un enfant, c'est toi qui vas mourir. Jésus vient de te délivrer. Essaye encore de manger. Pas cette nuit, c'est pas déjà tard. Non, il essaie de manger encore. Okay. Voilà. Faut pas avoir peur. Tu vois? Il faut avoir foi en cette prière. Tu doutais, non? Tu as mangé, c'est resté. Il faut continuer de manger. Dieu, là, il est souverain, il est puissant. Ce n'est pas une question de crasso. C'est une question de ta foi. Moi, j'ai foi en la puissance de Dieu. J'étais aussi très gravement, j'étais malade. Et puis Jésus-Christ m'a guéri. Donc moi, je crois à la guérison. Jésus m'a fait sortir d'une situation difficile. Pour que j'arrive aujourd'hui, là, j'ai vécu une situation difficile. Où les médecins ne voulaient rien contre ça. Ils ne pouvaient même pas me guérir. Il a failli un miracle de Jésus. Donc moi, je crois au miracle de Jésus. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. Demain, c'est la fête des femmes. La fête des mères. Nos mamans font des bijoux. Allez vous asseoir, monsieur. Je vais parler des choses sérieuses. Voilà. Voilà, ben, la sorcellerie là.